Le meilleur, bien évidemment, puisque j'ai un concept qui s'appelle, une méthode qui s'appelle le oui à la vie. Donc le prénom porte une énergie spécifique. Alors qui veut se prêter au jeu? Votre prénom, Hélène, c'est vraiment votre signature énergétique. Donc ce que vous pouvez faire tous les matins pour être réellement visible en tant que femme, vous défroissez dans votre belle hauteur et en largeur, puisque féminin est très vaste, c'est vraiment de respirer l'énergie de votre prénom. Je suis Sophie. Voilà, tu le déposes. Et tu vois, tu es toute gonflée. De là, il y a plein de pensées. Ah, oh, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu vois, tu as beaucoup d'hésitation. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, tu vois, et ça se voit parce qu'ici, c'est tout rouge. Donc il y a beaucoup de pensées saboteuses qui te soufflent à l'oreille des choses qui ne sont pas pour toi. Plus en contact avec la terre, on ose et on fait vraiment conscience. Il vaut mieux le faire que 3 secondes, mais vraiment réellement. Respirez bien, prenez votre place. Oui, bravo. Là, il y a une différence déjà. Tu vas avoir beaucoup de rototo, à mon avis, pendant la journée, ça va être très bien. Alors, tu vois pourquoi ça tourne un peu? C'est parce que soudain, tu grandis. Voilà, là tu as traversé tes peurs d'être réellement confronté au vivant qui est en train là de se diffuser dans tes cellules. Voilà, oui. Oui à la vie, là il est dans la place. Tu sens? Oui. Regarde comme je me sens libéré. J'ai chaud dans les joues, mais. Vous voyez comme elle est belle? Comme elle transpire le vivant là? Oui, je transpire. Voilà, tout tranquillement, respire un bon coup. Oui. Et laisse venir les belles couleurs. Sur ces 2 jours, on va beaucoup se câliner. La tendresse, c'est essentiel. On y va. Une amoureuse de la vie, avoir un élan amoureux pour un homme, pour la vie et pour nous, c'est de réveiller notre cœur innocent. Et ça passe vraiment à travers un cœur qui va s'ouvrir à certaines énergies qui sont là, à foison, en nous et à l'extérieur de nous. C'est vraiment le oui à la vie, il est partout, en nous et à l'extérieur. Respirez-le à plein poumon. Et là aussi, ceux qui nous regardaient, on y va. Et on l'incarne, on le laisse rentrer dans nos ventres, dans nos ovaires. Ça va jusqu'en bas des pieds. Oui, c'est ça. Wow. Vous voyez des tigresses, mais des tigresses pacifiées qui à un moment donné vont oser vraiment se laisser gratouiller le ventre. Allez, lâche la pression. Lâche-la. Ouais, là. Allez, respire un bon coup. Prends ta place. Réellement. Sois vu. Oui, voilà. Tu y es. Et là, maintenant, tu lâches. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. On y est. Pouf. Ah, ça surprend, ça. Pouf. Oula. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Respire un bon coup. Débloque, amuse-toi.
Allez. Oui. Là, tu vois, la vie, elle veut te caresser. Respire un bon coup ce que je suis en train de faire. Allez, courage. Tu vois, ce que tu retiens, c'est le meilleur pour toi. Là, au moins, si tu voulais une preuve, c'est fait. Je veux pas dire. Mais oui. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude, depuis que t'es toute petite, d'être malmenée comme ça. Ça va mieux quand je fais ça? Ben non, tu vois. Alors, autant peut-être dire oui à ça. Mais oui, ma belle. Oui, tu y es là. Voilà. Lâche. Lâche le gros paquet. Voilà. Ça y est. Bienvenue. Parce que tu étais gonflée d'eau. Et là, tu es en train de retrouver ton feu. Quand j'ai mal. Forcément. Et là, regarde. Accroche-toi, là. Et observez vraiment sa couleur, sa taille. Et combien la rose est vraiment reliée à ce féminin que vous portez. Ce féminin sacré. Et cette rose, laissez-la vraiment maintenant pénétrer au centre de votre tête. Ça va être vraiment votre intelligence de sagesse. Voilà, et laisse faire ta petite gorge.